C'est le seul skin sur Fortnite qui cache un aussi gros secret. En fait, vous le savez, Midas, il est arrivé depuis le chapitre de saison 2. Et en fait, depuis cette époque-là, tout ce qu'il touche se transforme en or. Parce qu'il ne maîtrise pas son pouvoir. Fortnite se sont trompés à beaucoup de moments. Mais Midas, de base, ne contrôle pas son pouvoir. C'est-à-dire que n'importe quel skin de Midas, que vous activez ou désactivez la réactivité, il va quand même transformer toutes les armes que vous prenez dans votre main en or. Mais il y a une exception. Le nouveau skin. Parce que dans les quêtes de l'histoire, on a découvert que les pouvoirs de Hades annulent le pouvoir de Midas. C'est pour ça que Midas était enchaîné et ne pouvait pas se libérer. Sauf qu'avec les dernières quêtes, Julie, la fille de Midas, a créé des gants à Midas pour pouvoir ou pas utiliser son pouvoir. S'il veut l'utiliser, il enlève les gants. S'il veut pas utiliser son pouvoir, il met les gants. Ce qui fait que le nouveau skin de Midas, quand vous activez la réactivité, tout ce qu'il touche se transforme en or. Quand vous la désactivez, tout ce qu'il touche ne se transforme pas en or. C'est du jamais vu. Et les anciens skins Midas, ils transforment les objets en or. Fortnite ont lié le skin à l'histoire et je trouve ça trop stylé. Abonne-toi à mon compte et là.